Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Je sais que je vous ai manqué, j'espère que je vous ai manqué. Mais vous savez, souvent, faut souvent faire une pause, vous voyez, faut souvent se reposer parce que tout le monde me disait en commentaire, toi tu es fatigué, faut te reposer, tu es fatigué, faut te reposer. Et là, c'est ce que j'ai fait, mais vous aussi, même si je fais pas de vidéo, veuillez vous abonner. Veuillez vous abonner, veuillez toujours montrer votre amour à votre humble serviteur Eritor. C'est la moindre des choses que je pouvais faire pour moi, pour me faire plaisir, même à mon absence. Voilà, vous voyez, vous avez bien vu dans le titre, je parle de Debordeaux et de son prochain hit qui sort très bientôt, Cul du Sale, et de Ibawan et d'une date le 18 janvier. Voilà. J'oubliais, je ne peux pas commencer cette vidéo avant le générique sans vous demander de vous rappeler de mon gars de la Chine, mon frère ami. Son lien est toujours en description. Amenez-le rapidement à 300 abonnés. Voilà. Faut qu'il sache que les abonnés d'Eritor écoutent beaucoup Eritor. Donc, je vous rappelle que son lien en description, ceux qui ont bien envie d'avoir toutes les informations sur la Chine, regardez dans la description et abonnez-vous en tas et signez en commentaire de la part d'Eritor pour qu'il sache que si ses abonnés augmentent, c'est parce que Eritor a des fans, a des abonnés très, 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 très attentifs. Voilà, on se prend juste après le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès à la base. Je procède à des virements. Donc bon retour les gars, bon retour chers abonnés. Franchement, je vais encore reformuler tous mes vœux les meilleurs à tous mes abonnés. Aux attachés, aux insulteurs, aux fidèles, aux gamés irritants, bonne année à tout le monde. Santé de fer et surtout paix dans tous les pays du monde, surtout ceux de l'Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Beaucoup, 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 beaucoup de bonheur dans toutes vos activités, dans toutes vos finances, en tout cas, que Dieu change 2020 pour vous. Voilà, c'est ce que je souhaite vraiment, vraiment pour vous parce que sans vous, honnêtement, hein, honnêtement, quand je dis sans vous, je ne mets pas à l'écart ceux qui m'insultent ou bien ceux qui me jalousent, bien ceux qui passent tout le temps à faire des critiques négatives à mon encontre. Je parle de vous tous. Sans vous, héritant que je suis là, je ne suis rien. Je ne suis pas d'ici. C'est à cause de moi seul que vous êtes aussi nombreux sur cette chaîne-là. Donc je vous dis merci et très bonne année à vous. Et n'oubliez pas, je vous demande pardon. Actuellement, mon frère Amir de la Chine peine à faire les 300 abonnés. Donnez-lui ces 300 abonnés aujourd'hui là même. Donc regardez dans la description et allez vous abonner. Il y a des choses très très intéressantes sur la Chine qui pourrait vous intéresser. Voilà. Et dans cette vidéo, comme je vous ai dit, on parle de deux monstres de la musique africaine, un grand rappeur et un grand, grand, grand chanteur. Il s'agit là du rappeur Ibawan du Mali et du mélodieux, des mélodieux, des Bordeaux Likoufa de la Côte d'Ivoire. Je commence par qui? Je vais bien commencer par Ibawan parce qu'il y a longtemps que je ne parlais d'Ibawan. Et j'espère que les gladiateurs vont partager massivement cette vidéo-là. Et si tu es un nouveau gladiateur sur la chaîne, ne te gêne pas, abonne-toi. Voilà, abonne-toi ici, on fait la musique, on fait la promotion de la musique africaine et de tout le monde. Voilà. 18 janvier, qu'est-ce qui se passe le 18 janvier? En fait, ce 18 janvier, le grand, l'empereur Kanko Moussa, Ibawan, qui n'est plus à présenter en Afrique ici, surtout, surtout au Mali, offre un grand show. Voilà, il y a un grand, 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 grand show où lui et sa team Gladia vont se produire. Mais cette fois-ci, il met en avant sa team Gladia. Mon coup de cœur, Titi Den sera de la partie et tout le reste de la bande. Et moi, si je fais cette vidéo-là, c'est juste pour demander aux fans d'Ibawan, les vrais fans d'Ibawan. Vous savez que Ibawan, jusque-là, on dira, grâce à Dieu, c'est l'un des artistes maliens qui n'a pas encore tapé de poteau dans sa carrière artistique. Donc, ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Donc, j'invite tous les gladiats, les plus gamés, quel que soit l'endroit où tu te trouves au Mali, déplacement massif vers le stade omnisport de Bamako. Le stade de Bamako doit se casser ce 18 janvier-là. Parce que Ibawan sera de la partie et toute la clean team Gladia sera aussi de la partie. Vous savez qu'avec Ibawan, le show est toujours assuré. Voilà, c'est pas de la jalousie. Moi, je sais pas être neutre, vous comprenez un peu. Je respecte, j'encourage, mais je sais pas être neutre. Quand j'ai une préférence, je la brandis aux yeux du monde sans me gêner. Voilà, c'est pas ce qui m'a empêché d'avoir tous ces abonnés-là. Donc je vais rester toujours digne et rester moi-même. J'aime tous les artistes maliens, j'adore Sidiki Diabaté parce que c'est un super grand chanteur internationalement connu. Mais mon préféré au Mali, il s'appelle Ibawan. Il n'y a pas de méchanceté dedans, il n'y a pas de jalousie à faire. C'est mon avis à moi. Voilà, c'est mon avis à moi. Donc je pense qu'il compte. Donc rendez-vous à tous les gladiateurs du Mali au stade de Bamako. Ce 18 janvier-là. Ce 18 janvier-là.
Voilà, je compte vraiment, vraiment, vraiment sur vous. Sortez massivement. Sortez massivement parce que Ibawan vous réserve un show de ouf avec sa team. Voilà, vous connaissez, ça chauffe pas. Ça chauffe même pas. On se prend tout à l'heure pour parler du monstre ivoirien, du monstre de la musique ivoirienne, des Bordeaux Koufa. Voilà, j'espère que les légionnaires sont là. Voilà, parce que ces derniers temps-là, je ne sens pas mes légionnaires. Honnêtement, je ne vous sens même pas. Mais bon, peut-être que vous êtes très occupés. Mais vous savez, c'est Eritor, hein. Voilà, c'est Eritor. Qui dit des Bordeaux dit Eritor. Voilà. Moi, je rappelle qu'ici, je suis seul. On n'est pas 20, on n'est pas 30, je suis seul. Et puis je fais ce boulot-là. Donc je pense que je mérite beaucoup, beaucoup d'encouragement et de soutien. Voilà. On parle de Kedi Sal de Bordeaux. Mais bien avant de parler de Kedi Sal de Bordeaux, j'aimerais bien ouvrir une parenthèse. Une petite parenthèse. J'ai un truc que je ne comprends pas jusque-là. Je n'arrive même pas à comprendre. J'ai l'impression que dans la tête de certaines personnes, c'est que du sable qui coule là-dedans. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas du tout. Je fais un post dans ma communauté YouTube pour annoncer une vidéo et je dis comme ça que Debordeaux est un génie musical. En commentaire, comme d'habitude, les mêmes. Un génie musical sans trophée. Il est nul. Il vaut rien. Arrête de nous distraire. Mais si quelque chose ne vous intéresse pas, abstenez-vous. C'est pas aussi compliqué à comprendre. Pour ma part et pour beaucoup de millions de jeunes et de personnes à travers le monde, Debordeaux est un génie musical. Ce n'est pas les trophées qui les démontrent. Je suis désolé. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Debordeaux est un génie musical de la Côte d'Ivoire. Ceux qui connaissent la musique, là, quand ils s'asseyent et puis ils écoutent tous les morceaux de Debordeaux, ils disent respect. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, là, chacun a son étoile, chacun a sa chance. On me dit génie musical qui n'a pas percé. C'est quoi vous appelez percé? Bon, laissons les titres là. Toi-même qui parles là, tu dois être frustré parce que tu connais Debordeaux. C'est pourquoi tu viens commenter tout le temps les sujets concernant Debordeaux. Si tu ne le connaissais pas, tu n'aurais même pas eu le temps à venir commenter. Tu te dirais, c'est qui Debordeaux? Bon, je sais pas, je passe. Mais c'est parce que tu le connais. Tu as déjà dansé plusieurs de ses musiques. Il y a déjà sorti sur plusieurs de ce son. C'est pourquoi tu te muxes toujours en commentaire. Cette jalousie maladive-là, il faut qu'elle vous quitte en cette année 2020. Je prends un exemple simple. On a connu Iniesta dans le football. On a connu Didier Auchincloss dans le football. On a connu Xavi, Pirlo. Beaucoup, beaucoup de grands noms du monde du football. Mais ces personnes-là ont brillé. Ont brillé dans plusieurs saisons, mais n'ont pas eu la chance d'avoir un seul trophée de reconnaissance. Je vais dire le ballon d'or. Il le méritait dans plusieurs, et sur plusieurs saisons. Ça veut dire que ces personnes ne valent rien. Mais souvent, quand vous parlez, réfléchissez un peu, parce que moi, j'ai pitié pour vous. Je suis offusqué de cela. Je me dis, attends, des personnes ne peuvent pas mettre au monde ce genre de personnes-là qui sont aussi bloquées, constipées mentalement dans l'esprit. Je ne peux pas comprendre ça. C'est inadmissible, en fait. Moi, je suis choqué à votre place. Parce que tout ce que vous savez dégager, c'est la haine, la jalousie. Il faut arrêter ça. Nous sommes dans une nouvelle ère. L'ère 2020. On n'est pas en 2019. On n'est pas en 2017. On n'est pas dans le passé. Nous sommes dans le présent. Et le présent, c'est 2020. Vos comportements à deux balles, vos raisonnements à deux balles qui ne tiennent pas la route sans argument, là, il faut les laisser derrière vous. Et rentrer dans de bonnes grâces. Je vous demande pardon. Faites l'effort. C'est des gens, quand tu les brosses un peu, quand tu les laves un peu, ils ont tellement mal qu'ils te rappellent qu'ils se sont truc construit bien, ils se sont réalisés. Montrez-nous vos biens. Parce que parmi vous, là, il y a au moins y a des milliers et des milliers, le petit héritage que je suis, qui ne suis rien même là, vit 100 000 fois mieux que vous. Mais vous êtes toujours là, avec vos petites pages de réseaux sociaux de 100 francs, 200, à venir laisser de mauvais commentaires. Des Bordeaux même, vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Vous le voyez dans votre rêve? Il faut pas raisonner comme ça. Lui, il chante encore. Donc, tôt ou tard, il peut avoir ou pas une reconnaissance, c'est-à-dire un trophée. Mais ce n'est pas la course. Vous connaissez Anofela? Et ça, c'est Anofela, mais il s'appelle Fela, en tout cas. C'est un grand, grand, grand génie musical du Nigeria.
Quelqu'un n'a qu'à venir me dire s'il a remporté un seul titre, ou bien un seul disque d'or, ou bien une seule récompense. Mais quand on parle de Fela au Nigeria, c'est respect. On l'appelle Baba, paix à son âme. C'est des gens qui connaissaient la musique. C'est pas parce qu'ils n'ont pas pris de trophée que vous n'allez pas les respecter. C'est ce genre de débordeau-là. Et lui, au moins, il vit encore. Donc, il peut remporter ça. Donc, quand vous n'avez rien à dire, abstenez-vous, s'il vous plaît. Débordeau est un génie musical et je le confirme. Et je vous explique pourquoi. C'est vrai que l'artiste de Bordeaux souvent nous fait de fausses promesses, je reconnais. Ça ne nous plaît pas. Et même souvent, moi-même, je viens, je lui dis, ah, de Bordeaux, toi aussi, tu exagères. Tu nous as dit quelque chose que tu n'as pas envoyé. Mais ce qui est bien de Bordeaux, quand il patiente et quand ça sort, tu es fier. C'est tellement bon que les gens sont obligés de créer toujours de la polémique sur ces morceaux. C'est ça, on dit un artiste qui est fort là. Mais quand tu n'es pas fort, on t'ignore, on ne te regarde même pas. Et de Bordeaux, il est super fort. En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous n'allez même pas attendre sa mort même pour reconnaître ça même. De son vivant, là, il va confirmer. Et puis, il va mourir en paix. Il va confirmer. Et puis, il va dormir en paix. Vous attendez sa mort pour dire que Debordeaux était fort, Debordeaux était fort, comme vous dites, Jarafat, là. Vous êtes des sorciers. Mais ça ne marchera pas avec Debordeaux. Donc, cher fan de Debordeaux, c'est vrai. Vous êtes impatient, je reconnais. Vous êtes très très impatient d'écouter un nouveau morceau de votre artiste, je reconnais. Et il vous demande pardon, patientez, vous n'allez même pas le regretter. Vous n'allez même pas le regretter, parce que du sale. Quand vous allez écouter, je vous jure, même si tu es le plus gros ennemi de Debordeaux, tu as dit, putain, ce mec-là, il est super fort. Il est dangereusement fort. C'est un génie. Il connaît son travail. Certes, il n'écoute pas, et c'est déplorable. J'en suis vraiment désolé, mais son travail de chanter là, il connaît ça. Donc patientez. Patientez parce que je pense que dans ces temps-là, il ira pour une petite tournée rapide. Là, parce qu'il est beaucoup sollicité là. Il va aller rapidement tourner en Europe, prendre un peu quelques euros, puis il va revenir. Il va vous donner que du sale. Je vous ai dit ça aujourd'hui, non? Je vous ai dit ça aujourd'hui. Nous sommes le 9. Je vous ai dit ça aujourd'hui. Notez. Nous sommes le 9. Et puis attendez que du sale. Que du sale sera l'un des meilleurs hits coupés décalés. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Que du sale sera l'un des meilleurs hits coupés décalés de la décennie. Je m'arrête là. Maintenant, je vous attends en commentaire. Commentez. Mais moi, j'ai fini de parler. À la sortie du morceau, vous allez dire, Eriton nous avait dit. Respect de Bordeaux. Ciao, ciao. Max de partage et abonnez-vous.